Pour l'effet ricochet, effectivement, on peut plutôt le classer en science-fiction, en anticipation. Après, on peut y mettre des étiquettes un peu plus précises. C'est un roman qui se passe dans le futur, dans les années 2070, par là. On est dans un temps où on ne peut plus avoir d'enfants naturellement. Du coup, on en est venu au clonage comme quelque chose de complètement normal. Parce que vraiment, moi, je suis partie du principe des dernières études qu'on a pu voir sur le clonage et où on s'est rendu compte qu'en fait, les clones se ressemblent moins que des jumeaux. Et du coup, c'est vraiment ça qui m'a intéressée parce que je ne voulais pas être dans le fantasme du clone qui est la photocopie de ses parents ou vraiment de l'enfant qui va être créé dans un but thérapeutique ou autre. Je voulais vraiment parler d'individus. Et du coup, voilà, donc cette société-là, tout irait bien, sauf que mon héroïne, donc, qui finalement ressemble à ses sœurs et à sa mère, enfin voilà, comme des liens familiaux plutôt que comme une photocopie, elle va se rendre compte qu'il y a eu peut-être un petit problème au moment de son clonage ou qu'elle a peut-être un petit défaut dans l'ADN parce que son corps va reproduire des blessures qu'a eues sa mère. Et ça, c'est pas possible parce que le corps n'a pas cette mémoire-là. Et du coup, bah, elle va mener l'enquête un peu pour savoir ce qui se passe, mais très vite, ça va devenir une course contre la montre parce qu'il est arrivé un truc grave à sa mère et si elle fait rien, ça va lui arriver et à ses sœurs aussi. Donc pour moi, plus qu'un roman sur le clonage, l'effet ricochet, c'est l'histoire d'une jeune fille qui va essayer de sauver sa famille, en fait. Moi, ce qui m'intéressait, oui, c'est de travailler aussi, enfin en tout cas de me dire on est différent à partir du moment où il y a eu une grossesse. Hein, on n'est pas, si on était tous dans des espèces de couveuses artificielles, on pourrait parler autrement. Mais là, chaque grossesse, enfin moi j'en parle parce que je suis mère et que je l'ai vécu aussi, mais on voit bien, chaque grossesse est différente, leur relation à l'enfant, la place dans la famille va changer l'individu. La relation qu'on a à l'autre, si on est l'aîné, si on est le deuxième, si on est le troisième, on ne va pas du tout se positionner de la même façon. Des enfants vont sucer leur pouce, d'autres vont avoir une sucette, ça va déformer les dents plus ou moins, d'autres vont avoir rien du tout. Il y en a qui vont tomber, qui vont se faire des bobos, il y en a qui vont avoir une varicelle. Donc finalement, tout ça va faire qu'on est différent. Surtout si on est né avec quelques années d'écart et du coup, ben, oui, on se ressemble comme des frères et sœurs de façon complètement normale. C'est vraiment... je voulais vraiment le clonage pour moi dans ce roman, c'est presque un prétexte, c'est quelque chose qui me paraît peut-être une évolution pas normale, mais en tout cas qui ne devrait pas générer autant de fantasmes que ça en génère. On parle du clone comme si c'était autre chose qu'un être humain qui va naître avec des parents. Dans le roman, on ne peut plus avoir d'enfants naturellement, donc on en vient à la procréation médicalement assistée pour tout le monde. Puis, quand même ça ne marche plus au clonage, parce que voilà, il faut des éléments au-delà du génétique qui fonctionne naturellement et pour certains, déjà ne fonctionne plus maintenant. Enfin, y a déjà des gens qui ont besoin d'aide médicale pour avoir des enfants. Finalement, si l'enfant implanté à ce moment-là, c'est un embryon issu de leur propre gène, qu'est-ce que ça fait? C'est pas éthiquement compliqué à partir du moment où c'est un autre être humain, en fait, tout simplement. J'évite les romans à message en général, parce que je trouve que, surtout en jeunesse, on peut avoir tendance très vite à être moralisateur avec les enfants ou les adolescents, à mettre un panneau en disant « la nature, c'est bien. Protéger la nature, la pollution, c'est pas bien. Le racisme, c'est mal. » Enfin, voilà, des choses qui profondément sont dans nos convictions, on peut les dire de façon différente. On peut les dire en posant des questions, en permettant aux enfants et aux adolescents de se poser ces questions-là, sans donner de réponse forcément. Effectivement, sur l'effet ricochet, j'ai voulu donner une vraie raison au fait que la fertilité humaine avait comme ça périclité, et je suis partie essentiellement des perturbateurs endocriniens, qui sont une réalité maintenant, et où... je pense que la prise de conscience pour moi, elle a été justement, il y a un petit peu d'écart d'âge entre mes enfants et entre mes premières grossesses et ma petite dernière, il y a eu des lois qui sont passées sur les perturbateurs endocriniens, en tout cas liés au bisphénol A, ce genre de choses, qui ont fait que j'ai eu l'impression qu'on me disait, au fait, tes deux premiers enfants, tu les as peut-être un petit peu empoisonnés en leur donnant le biberon d'un plastique qui n'est pas censé chauffer. Et cette espèce de vertige de se dire à quel moment on va se rendre compte que c'est trop tard. Et dans l'effet ricochet, la première génération qui ne peut plus avoir d'enfants, c'est les enfants nés dans les années 2000. Et finalement, voilà. Est-ce que, quand on va se rendre compte que de plus en plus de gens ont besoin de procréation médicalement assistée, qu'il y a un problème, à quel moment ce sera trop tard et à quel moment il faudra trouver des solutions?
Donc forcément, c'est des thèmes qui m'interpellent. La pollution de manière générale, en tout cas notre rapport à l'écologie, forcément. Dans le roman, il va y avoir un groupe d'écologistes extrémistes qui vont avoir un message assez fort là-dessus. L'extrémisme, c'est pas forcément la solution non plus. Ça, je pense qu'on le comprend très bien dans le roman. Mais en tout cas, essayons de nous poser des questions et de pas faire n'importe quoi, ni génétiquement, ni écologiquement, humainement, socialement et au niveau de notre économie. Il y a plein de questions à se poser. On ne donne pas de réponses, mais si on peut en poser des questions, c'est déjà pas mal. Le choix d'écrire pour la jeunesse, c'est fait un petit peu naturellement. Moi, à chaque fois que... Enfin, pour mes premiers romans, je les ai écrits pour adultes au départ. Et puis, au moment de la démarche pour chercher un éditeur, je me suis rendu compte que pour eux, c'était de la jeunesse. Et je me suis demandé pourquoi. Alors, c'est vrai, ça pouvait être assez initiatique. Il n'y avait rien de choquant qui permettait de le lire plus jeune. Et en fait, j'ai réfléchi à savoir pourquoi, finalement, ces romans-là que j'imaginais plutôt pour adultes, passaient sur des catégories jeunesse. Et je me suis rendu compte tout simplement, c'est parce que c'est la littérature que j'aime lire. Je lis énormément de littérature jeunesse et pour ados, parce que je trouve que c'est une littérature extrêmement riche, il y a vraiment beaucoup de choses à faire, des thèmes, même s'ils ont été déjà abordés, tout a déjà été fait, voilà, jamais à notre façon. Donc, trouver un angle original pour aborder quelque chose qui a déjà été fait, je trouve que la littérature jeunesse le permet... Peut-être pas plus facilement qu'en littérature de vieillesse, mais en tout cas ça me le permet. Et petit à petit, je me suis rendu compte que chaque fois que je voulais écrire pour adultes, ça finissait en jeunesse, parce que beaucoup d'adultes vont aussi vers des rayons de littérature jeunesse et s'autorisent ce passage-là, que des ados ou des enfants ou les parents vont être encore prescripteurs, vont peut-être pas les laisser aller voir tout de suite dans des rayons pour adultes. Et tant mieux, parce que souvent, justement, si c'est pour adultes, c'est peut-être pour une bonne raison. Mais en tout cas, ceux qui sont classés en rayon jeunesse, des enfants peuvent le lire, des ados peuvent le lire, et des adultes les lisent aussi. Donc finalement, c'était plutôt un bon choix de se dire, bon, il y aura toujours un moment, quelqu'un qui va dire, oui, bon, c'est quand même un roman jeunesse. Oui, bah oui, c'est quand même un roman jeunesse. Les personnages sont jeunes, sont dans des problématiques de construction. Mais je trouve que finalement, il y a deux âges charnières qui m'intéressent, c'est vraiment autour d'une dizaine d'années, quand on passe au collège par exemple, où là on a déjà une première construction importante, et surtout le passage au lycée, qui pour moi est fondateur de qui on est en tant qu'adulte. Moi, j'ai pas l'impression d'avoir changé tant que ça, hormis physiquement et un petit peu en termes de naïveté peut-être, sur qui j'étais à 16 ou 17 ans. Finalement, c'est là où je me suis construite en tant que moi-même, et c'est pour ça que je m'adresse à ces ados-là aussi, c'est parce qu'ils sont à l'âge de cette construction-là. Le prochain roman qui sort, c'est en janvier, donc 2018, ça s'appelle Papa de papier. Là, ça s'adresse plutôt aux 10-12 ans. C'est un roman assez fort autour de la maltraitance. Alors, mon héros se fait pas maltraiter, hormis verbalement, par son père. Par contre, le papa va taper sur la maman et c'est un petit peu compliqué à la maison. Par contre, mon héros, lui, il a un don pour le dessin. Il dessine très très bien. Il dessine tellement bien qu'il a l'impression que ses dessins deviennent réels et il va se dessiner un sauveur. Et en fait, à ce moment-là, il va avoir un nouveau voisin. Donc toute la question du roman, c'est de savoir si c'est lui qui a dessiné son voisin ou pas, ou comment on s'accroche à l'imaginaire pour survivre à une situation compliquée à la maison, hein, ou dans la vie, hein, en général. Donc voilà, ça c'est un peu pour les plus jeunes. Et puis un SF pour les ados, un peu plus tard dans l'année, aux éditions du Seuil, je ressors un roman avec eux qui s'appelle pour l'instant « Poumon vert », qui aborde très fort des thèmes autour de l'écologie et du deuil, un truc simple encore. Enfin voilà, une histoire d'amour et de plantes et une aventure aussi dans le futur.